Bah bravo, bravo. Pendant que le Minotaure, il faisait son crâneur avec sa clope électronique dans les rues de Toulouse, ben moi, j'ai toujours pas trouvé de pull moche pour le championnat du monde de pull moche à Albi. Mais heureusement, j'avais une super coach, Christina. Salut mon chéri, salut à tous. Alors ce soir, on va parler de poules, mais il faut savoir une chose, hein. Les poules, il y en a pour toutes les gouttes. Hein. Tout d'abord, il y a les poules de Rodez. C'est les poules aveyronnais. Il n'y a pas de manche? Bah non, parce que la laine, ça coûte très cher. Hein. Ah, par contre, il y a des poches. Ah bah oui, ça c'est pour mettre les oursins. Alors celui-ci, c'est le pull toulousain. Voilà, avec le petit pompon. Ah oui, pompon sur la Garonne. Pompon sur la Garonne! Parce que c'est rigolo. C'est rigolo. Après, toi, le poule du Cap d'Agde fait en laine des péniches à mettre juste sur la tchotcho. Et nous, ça nous irrite. Oh, attends, j'ai pensé à toi, j'ai ramené à ta taille. Non, mais j'ai pas un petit zizi, hein, j'ai des longs poils, c'est tout. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Et les pulls ariégeois? Ah, bah là-bas, ils s'emmerdaient pas du tout, hein. Ils enfilent directement les moutons. Et alors, question, le pull le plus cher du monde? Ah, bah les poules le plus cher du monde, c'est un pull diesel. Diesel, la marque? Ah non, les poules faites à base de gasoil. Mais moi, je vous conseille directement de l'acheter au pas de la casse. Ou d'ailleurs, si tu vas au pas de la casse, tu me prends des fortunes, hein. Ah. J'ai envie de me prendre une cartouche. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et alors, le pull bordelais? Alors, les poules bordelais, c'est une poule bleue que tu portes juste sur les épaules en fumant ta clope électronique, goût cannelé. Ou toi aussi, les poules du Tarn, ah. Ça, c'est fait par la jeunesse tarnaise. Par exemple, c'est celui-ci, c'est un petit jeune Maryse de 84 ans qui l'a fait. Ah oui, c'est aussi l'odeur de Maryse. Ah oui. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors ça, c'est une exclusivité, c'est les doubles poules du Gers, créées par les frères Bogdanov. Oui, parce qu'ils sont nés à Saint-Lary, dans le Gers. On voit bien que Golfech est pas loin. Oh, dis-moi, est-ce que tu connais la différence entre une moule et un pull-over? Oui, on connaît. Un pull-over, ça moule et... Donc merci Christina pour ce coaching. Le championnat du monde à Albi, c'est le 1er décembre, il y aura plein d'animations. Ah oui, puis moi je suis pressée de venir pour voir tous les albinos, hein. Voilà, bonne semaine. Et pour l'anecdote, sachez que Mélissa, qui joue Cordula dans la vidéo, a accouché quelques heures après le tournage. Moralité, si tu veux des gosses, mets un pull moche.